Thank you.
Également de Pio. Et Guido qui relance pour Bracci. Bracci était attaqué par Van Gaal. Verheyen qui peut relancer la direction de Van Gaal. La balle n'est pas sortie. La balle n'est pas sortie de Van Gaal. Van Gaal avec Trésor. Raymond qui est parti maintenant avec les Thank you.
Clutkin. Il arrive à se mettre à la place des joueurs belges, ils savent que la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations est au bout de ces 45 minutes. Un but. Ça, par contre, c'est assez énorme parce que c'est pas normal de la part de la Ligue. Un goal. Toujours 0-0.
Watkins qui était sorti de la mêlée de la tête. Michel. Domenech. Rousteau. Il a été bloqué. C'est Van Zandam qui était intervenu. Oh, Van Zandam. D'un côté des autres d'ailleurs. Domenech, Orlanducci, au trésor. Le trésor qui essaye de trouver le partenaire. Orlanducci, pris en chasse par Coles. Ok, ok. Domenech pour. Pardon pour Michel. Larquet. Domenech, nouveau Larquet. C'est lequel qui est intervenu. Trésor, Pugacci. Nouveau Pugacci avec Coles. Lambert maintenant. Van der Eyken. De Eyken. Lambert. Là, ils sont en train de geler le ballon. Coles. Avec Bradshaw, Coles. C'est Lambert qui a donné derrière. Pour Van Bing. Et Larquet. Rocheteau. Encore Larquet. Avec une faute. Coles a commis de partout pour donner l'air. Avec Lekker, pour Guido. Mais ça aurait été bien. À quelques secondes. Toujours 0-0. Michel. Marqué, dans la déviation pour Michel. Domenech. Et Lekken. Coles. Coles de Ryan. Van der Eyken.
Van der Eyken croisant avec une interception là de Coste qui joue en tant que défenseur et ça doit donner un coup de poing. Oui, effectivement, c'était Coste qui était sans lutte avec nous. À nouveau Bracci et Guido qui a dévié. Non, non, il va y aller tout seul, ça c'est une erreur. En 1-2, il pouvait passer, mais tout seul, il n'avait absolument aucune chance. En plus, il y avait tout de même deux défenseurs là, prêts à intervenir devant Christian Pieux. Domenech pour Trésor. Michel. Et c'est bien joué. Ça aussi d'ailleurs de la part de Cook. Larquet. Rocheteau. Elle est dangereuse. Vervanbilt avec Aymon. Vervanbilt. Il n'y a personne qui s'est défendu pour réceptionner. Au 10%, c'était tout de même très puissant. Même un peu trop. Ne voyez pas, mais il y a Raymond Goutal sur son banc, il ne tient pas. Tenté par Dox. Oups, Dox. Lambert, on file avec Domenech. Non, c'est trop court. Bon, Lanucci qui marche. Ouais, il faut vraiment suivre toutes les balles. Très bien. Michel. Avec
Coste qui n'a pas pu intervenir et Van Beens qui met dehors. Il reste encore 25 minutes à jouer. Coste très bien bloqué encore. Guidou, Rachi. Michel Trésor. Avec Verheyen Trésor. Donnant pour Kohls. Van Gaal, Kohls. Trésor avec Kohls. Non, avec Van Gaal, pardon. Et Orlanus. Bonne interception de Verheyen. Verheyen avec Lambert. Lambert avec Domenech. Et Michel. Marqué. Guidou, Guidou Pacci. Et bon. Avec Van Beens qui recule pour permettre aux camarades de défense de se resserrer, ce qui est arrivé d'ailleurs. Et on est là, les équipes, le spectacle, il a mis sauver les meubles. Et assurer sa qualification, là, il n'y a rien à faire. Van der Eyken pour Dox. Dox, Christian Pio encore. Verheyen. Et Kohls. Orlanducci. Michel. Oh oui, c'était bien fait. Et ça aussi de Van den Dahl. Van Gaal pour Verheyen et Dox. Van der Eyken, la balle est sortie. Entrez pour l'équipe de France. En Dominique. Avec ce même Bracci, et moi encore. Là, il est évident que maintenant ça devient un handicap pour l'équipe de France. De toute façon, jouer à 10 contre 11, c'est toujours terrible. Ça va faciliter la tâche de l'équipe belge. Guidou, Rocheteau qui a glissé là, Van Beens. Pour Kohls, Kohls en direction de Van Gaal. Van Gaal avec Orlanducci. Pour Baraté. Pour Trésor. Domenech. Et Van den Dahl avec Rocheteau. Pour Dox.
Victor Dox, Van der Eyken, vers Lambert, Lambert Verheyen, Van Beek, Kool. Kool avec le mot. Van Beek, Verheyen, Van der Eyken. On va vers Lambert, Lambert avec Trésor. Momentanément en tout cas, de pouvoir savoir si Lambert va rester au jeu ou bien si on va faire appel à Teguens. Il reste encore environ 18 minutes à jouer sans les arrêts de jeu bien entendu. Toujours 0-0, Aymon avec Bracci, Trésor, Coste, Rocheteau, avec Dox, Rocheteau, Orlanducci, pris en charge par Van Gaal, Coste, et Dox très calmement son intervention. Van der Eyken. Verheyen. Verheyen pris en charge par Rocheteau. Van Gaal. Van der Eyken et Dox. Koolekens. Et encore Dox. On est en train de geler la balle. Et attention tout de même, parce que ce sont des choses qui peuvent coûter cher. Il y a une faute indiscutable qui a été commise sur l'oreille par Pilou. Donc le juge de ligne, lui, prend à Raymond Moutin. Il ne tient plus. Il ne parvient plus à rester sur son banc. Et Lambert. Très bien fait ça, vers Van der Rijn comme ça aussi, vers Van Gaal. Bon, là cette fois-ci il y avait une faute, mais tout juste à la limite du rectangle. De toute façon ça donne un coup. Là on se fait pas de cadeau de part de deux. Van Gaal. Encore environ 7 minutes. Hein. Van Gaal, il n'est pas bien donné. C'est Orlanducci qui prend encore beaucoup plus mal. Ce qui signifie que ça panique tout en d'un côté que tout. C'est évident que l'équipe de France pouvait faire une bonne sortie de cette compétition. C'est l'occasion du dernier match de son entraîneur, Stéphane Kovac. Encore Van Gaal. Elle rentre bien, détournée là par Baratelli en direction de Rocheteau. Rocheteau avec Matisse. Et une mauvaise passe là. Van Gaal. La cyclée hors jeu. Pas du tout certain que Van Gaal se trouvait hors jeu sur cette fois. Pour la Ducci. Et Bracci.
L'équipe de France joue à 10. Rolanducci. Michel. Interception de Van der Eyken. Domenech. Eken. Et Van Bins. Verheyen. Très calme Verheyen. Oh, une mauvaise passe par contre vers Domenech. Encore Lekens qui était là. Van Bins. Qui calme le jeu. Donnant vers Cook. C'est un peu long peut-être. Et Cook est parti, il est avec Trésor. Il joue mauvais contrôle de balle. Avec Van Bins. Oh non, c'est marqué, c'est pas meilleur ça, qui donne sur Trésor. Michel. Et bien ouvert vers Raymond. Bulls. Van der Eyken. Et Christian Piou. Il a fait voler le ballon. Et puis on s'y connaît. Pas le coup de trésor. Ça, ça fait du temps de gagner pour les Belges. Quarte. Avec Van Dien. Et un coup de poing pour l'équipe de France qui se défend admirablement à 10. Rocheteau. Encore Raymond qui tente sa chance. Oui, là, je crois qu'il pourrait emporter les 53 comme ça sans inquiéter le moins du monde de Christian Piou. Dégagement vers Cook. Docks. Cook. Eken. Et Van der Dam. Ryan. Avec interception de Branchi. De Michel. Pour ce fait, tous les dernières minutes.
Pour l'équipe de France. Elle est faite par Trésor pour Michel. Aymon. Guidou. Galice. Rachi. Aymon. Toujours Aymon. Très bien contré par Kohls. Van Gaal qui part maintenant. Van Gaal de Gaël. Son gauche. Et c'était bien joué.
Michel pour Domenech. Bon, 3 minutes à jouer en principe, sans les décomptes bien sûr. 3 minutes pour aller en quart de finale de la Coupe d'Europe des Nations et nous montons par Lekens, Van Gaal en direction de Lekens. Ce contrôle de balle. Hors la Coupe. Nouvelle rentrée pour l'équipe belge, encore par Vereille. Scholes qui a perdu ce ballon. Galis. Avec Guémon. Galis. Avec Guémon. Et Guidou qui est parti là-bas. Donc balle pour Vandendal. Vandendal et Van Binst avec Galis. Vers Kohls, Kohls avec Aymon, Michel, Rocheteau, avec Lekens, et il y avait poussé de Lekens, poussé les pas, j'ai l'impression qu'on a poussé des deux côtés, mais disons que c'est un peu spectaculaire de la part de Lekens, alors que Van de Dalle, lui, est allé chercher gentiment le ballon près de Christian Pio, tout ça pour gagner du temps encore, et ça va terminer chez Pio, bien entendu. Pour Van de Rijken. Interception de coupe. Ryan. C'est pas glorieux tout ça, mais disons que tactiquement ça tient. Faut de toute façon faire preuve de beaucoup de sang-froid, de beaucoup de maîtrise pour jouer comme ça. Coupe lance très bien. En direction de Cole, c'est un peu trop de temps, oui.
Baratelli avec Scholes. Il ne peut pas l'empêcher de dégager, mais il peut le gêner. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, puisque Baratelli n'a pas pu très bien dégager. Bracci avec Van Bint, encore en sliding tackle. Il est. Vous dites que le terrain s'y prête admirablement. Terrain gras, mouillé, pour les glissades. Et M. Davidson qui